Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Bonjour à tous, bienvenue dans le mag de la télé des sables. Aujourd'hui, nous sommes au marché des Halles et cela ne vous étonnera pas. Vous savez bien que le marché des Sables d'Olonne est dans la finale de TF1 pour le concours du plus beau marché de France. Alors n'oubliez pas de voter pour notre marché. Et puis aujourd'hui, nous allons suivre notre émission ici d'abord avec Gérard Tokarski qui nous enchantera, vous le verrez, avec sa joie de vivre. Nous rencontrerons ensuite Priscilla Gibotteau, qui nous racontera un peu l'histoire de ce marché construit sur un ancien cimetière et dont l'histoire nous rappellera aussi Michelin, la Tour Eiffel, vous verrez. C'est une histoire très, très intéressante. Et puis, nous retrouverons Nathalie Beauvais pour elle. Elle refera revivre un peintre qui a vécu quasiment à la même époque que la construction du marché des Halles. C'est le peintre Marquet, celui qui a créer la fresque du Remblai, le tableau initial en tout cas. Nous irons retrouver aux Fables d'Olonne Pierre, le libraire Sablé, qui se retrouve juré dans le prix du livre de plage, ce nouveau prix qui sera décerné aux Fables d'Olonne au mois de juin. Et puis nous parlerons des nouveaux couleurs de drapeaux sur la plage pour cette saison estivale, parce qu'ils ont un petit peu changé. Vous verrez cela. Et enfin, nous nous retrouverons avec vos vidéos envoyées à la rédaction. D'abord, Argan, qui se présente à l'élection des Reines des Sables. Et puis, une vidéo insolite aussi de Tristan. Vous allez voir, c'est assez original. Cela se passera en bateau. On se retrouve tout de suite avec Gérard. Et puis, de temps en temps, un air de vieille romance semble donner la cadence. Pour fauter dans les bois, dans les prés, du côté de nos gens. Bravo. Merci. Bonjour Gérard Tokarski. C'est ça, oui. Ce n'est pas facile de chanter avec un masque. Non. Ouais. Mais on arrive déjà à chanter un peu, donc c'est bien. Oui. On vous connaît depuis longtemps au Sable d'Olonne. Oui. Avec votre orgue de barbarie ici au marché et ailleurs. Et puis aussi en tant que chanteur, parce que vous chantez aussi, vous faites des reprises, mais vous chantez aussi des chansons qui ont été écrites pour vous, je crois bien. Surtout une chanson pour l'instant. Il y en a trois autres en préparation, mais La Clé du Bonheur, qui marche pas trop mal, qui a été écrite pour moi par un artiste qui dirige le chabaret à la Chapelle Achard. Mmh. Voilà. Ce sont plutôt des chansons gays que vous choisissez. Oui, toujours des chansons gays. Parce que je suis un homme qui aime la gaieté, qui aime la convivialité. Et voilà, donc je veux quelque chose qui me reflète. J'aime aussi, par une longue histoire, j'aime aussi les chansons finalement pour les femmes. L'orgue de barbarie, comment avez-vous eu l'idée? Et il faut m'expliquer un peu comment ça marche, parce que moi je ne sais pas du tout. Ça, c'est une véritable histoire de rencontre sur un marché. J'ai rencontré un monsieur qui avait un orgue, comme ça. On a sympathisé, on est resté quasiment 2 semaines en contact dans le sud et il m'a présenté le facteur d'orgue. Le facteur d'orgue, c'est une personne qui fabrique des orgues de barbarie, Monsieur Bougon, qui a créé cet instrument qui est un orgue de barbarie électronique. Vous avez combien de chansons? Sur celui-ci, j'en ai 42. Ah oui, waouh. Voilà. Est-ce que comment vous vous organisez avec vous, musiciens? Personne qui aime tellement la fête, la joie, le public. Comment vous arrivez à vous organiser, à continuer à faire ce que vous aimez et votre métier? Parce que je crois que... Mais en ce moment, c'est un peu plus compliqué, on le sait. Alors moi, j'ai la chance, quand je dis la chance, et aussi la passion de chanter pour les seniors. J'adore les personnes âgées. Je vais dans des foyers logements, dans des résidences seniors. Et là, ça leur donne vraiment quand même un côté joyeux. Donc, en ce moment, j'ai la chance de pouvoir encore aller chanter dans ces résidences et dans ces foyers. Le 12 mai, on pourra vous voir sur TF1 parce que, comme vous le savez, le marché des Sables d'Olonne est en finale du plus beau marché de France. Oui, et TF1 viendra cette semaine, ce samedi, faire un sujet. Donc, vous l'avez accueilli comment, la nouvelle? Parce que vous êtes souvent au marché, vous connaissez bien le marché. La nouvelle, j'ai trouvé fabuleuse. Et fabuleuse pour, avant tout, les commerçants. Donc les commerçants ici des Halles, mais aussi les autres commerçants sablés, parce que c'est quand même un collectif, c'est pas individuel. Et aussi pour la ville, parce qu'en termes d'image, moi je suis persuadé que
ça va même amener d'autres personnes extérieures qui vont vouloir venir découvrir ce marché. Bonjour. Je peux vous demander, pendant que vous faites les fleurs, qu'est-ce que ça vous fait l'annonce d'être dans la finale du plus beau marché, vous qui êtes fleuriste ici dans ce beau stand, mais aussi président des commerçants du marché? Bah en fait, c'est un très grand plaisir d'être représenté en fait pour le plus beau marché de France. Et puis, on va dire une petite émotion parce qu'en fait, depuis que je suis arrivé depuis 3 ans dans ce marché, je suis content au quotidien de venir dans un endroit magnifique pour travailler. Puis le fait qu'il soit promu en fait à ce concours, je trouve ça génial parce que ça, on a l'impression d'être dans un musée vivant, donc c'est super quoi. Bonjour Priscilla. Bonjour Aïda. Merci d'avoir accepté. Merci. D'avoir accepté une fois de plus d'être avec nous sur la télé des sables. Aujourd'hui, si on vient vous voir, c'est parce qu'on aurait besoin de savoir un peu plus sur ce beau marché, tellement beau qu'il est dans la finale du plus beau marché de France. Alors, de quand date-t-il? Quand a-t-il été construit? Alors, ce marché, il a été inauguré le 8 février 1890. Il est venu remplacer un ancien marché qui existait déjà à cet emplacement et qui lui-même avait remplacé l'ancien cimetière situé juste à côté de l'église. Ah oui, à côté de l'église. Et le premier marché, il datait de quand? Il avait été inauguré en 1810. Mais il ne faut pas du tout imaginer la même chose. C'était un marché plus petit, avec une charpente en bois. Et à l'époque, la construction de ce marché est importante pour la ville, puisqu'en fait, c'est un acte fort pour faire entrer un peu de modernité aussi dans cette nouvelle station balnéaire en plein essor. Il faut savoir qu'en 1866 arrive le chemin de fer. Et donc, du coup, Marcel Garnier, qui était maire dans les années 1880, décide de faire construire un grand marché moderne inspiré à des marchés parisiens comme les grandes halles de style Baltard. Et puis il demande à l'architecte de la ville de l'époque, qui s'appelait Charles Smolski, de réaliser ça. Alors la grande particularité, c'est qu'il est situé sur la dune, donc on a 2 niveaux dans notre marché. Et ça, c'était un sacré défi. Pour un marché qui se situe sur la dune, vous l'avez dit? Ben oui, parce qu'en fait, il a fallu décaisser une partie de la dune pour pouvoir installer le bâtiment. Donc Charles Smolski a conçu ce rez-de-chaussée, mais comme du côté du haut de la dune, on avait quand même un grand mur très haut, il a décidé d'y faire aussi une entrée. Et ce qui a donné naissance à l'étage. L'étage qui est vide aujourd'hui, mais où il y a des producteurs locaux le mercredi et le samedi. Oui. Est-ce qu'il est un peu inspiré, en fait, vous me disiez tout à l'heure, l'architecte de la ville s'est un peu inspiré des travaux de Gustave Eiffel, des architectes de l'époque, en fait? Oui, tout à fait. C'est la grande période où on crée des halles en métal. C'est vrai que le métal, le verre sont des matériaux très employés à ce moment-là. On pense aux travaux de Gustave Eiffel, bien sûr, Victor Baltard, que j'ai déjà cité. Il faut savoir qu'au Sable d'Olonne, on avait déjà, dans les années 1870, un bâtiment en métal comme ça. C'était l'ancien casino qui avait été conçu par des architectes parisiens, mais l'entrepreneur était Gustave Eiffel. Ah oui. Donc on avait déjà un petit peu cette influence-là. Et puis, le marché des Halles est venu conforter cela. Alors, une anecdote qui est intéressante, justement, sur cette structure métallique, c'est qu'elle a été commandée à l'époque aux frères Michelin, qui étaient ingénieurs et qui ont conçu, selon les plans de Charles Smolski, toute la structure métallique de notre marché. Et puis, de toute façon, il faudra venir voir le marché. D'ailleurs, si vous avez besoin de faire les courses, venez plutôt samedi parce que TF1 viendra ici tourner le sujet, justement, qui opposera le marché des Sables d'Olonne au marché d'une autre ville. Je ne sais même pas laquelle est l'autre ville en finale. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est venir là pour faire de l'ambiance et surtout voter pour le marché des Sables d'Olonne, évidemment. On va quitter Priscilla jusqu'à la prochaine fois. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Et puis, on va aller sur le remblai. D'abord, rencontrer Pierre aux Fables d'Olonne qui nous dira comment il choisit les livres pour le tout nouveau prix du livre de plage. C'est un prix du livre national qui sera décerné aux Sables d'Olonne mi-juin. Pierre des Fables d'Olonne, année jurée, il nous dira un peu comment cela se passe. Et puis, tout de suite après, on va retrouver Nathalie Beauvais qui a choisi un peintre à peu près de la même époque que le marché, je crois bien. Elle nous racontera l'histoire du peintre qui a fait le tableau original dont est tirée la fameuse fresque sur le remblai. Et puis ensuite, on a plein de sujets, vous allez voir. Allez, on se retrouve tout de suite.
Je suis libraire et je suis face à la plage. Donc chaque été, je vois quelles sont les demandes et ce que je propose au lecteur. Un livre de plage est un livre que l'on va lire alors que l'on risque d'être interrompu à n'importe quel moment. On est en vacances, mais on risque d'avoir les enfants qui passent, quelqu'un qui demande, qui pose une question. On va être interrompu tout le temps. Donc il vaut mieux que ce soit une histoire légère, que l'on peut interrompre à n'importe quel moment et reprendre sans avoir perdu le fil de l'histoire. Donc grosso modo, un livre de place, c'est ça. Ceci dit, je disais le deuxième aspect, c'est relatif, il y a des gens qui relisent Proust à la plage. D'abord, j'ai choisi des bouquins qui étaient sortis en 2021, parce que je trouvais que c'était important qu'ils soient récents, en français, hein, je veux dire pas des bouquins traduits. Je pense aussi que ça a une certaine importance, ne serait-ce que si jamais on doit attribuer un prix, qu'on ait une relative facilité à contacter l'auteur. Et puis enfin, qui répondent un tant soit peu quand même au cahier des charges que je viens de suggérer. Bonjour Nathalie. Bonjour Aïda. J'ai réussi à trouver des fleurs à peu près assorties à votre veste. Ça, c'est gentil, merci. Nous voilà avec votre chronique peinture aujourd'hui, qui a un pied dans l'actu et un pied dans le siècle d'avant. Oui. Parce que vous vous êtes intéressée cette semaine au peintre qui a fait le tableau original de la fameuse fresque sur le remblai que nous pouvons tous voir depuis une semaine ou deux. Oui. Alors, qui était ce peintre? Alors, ce peintre, c'était Albert Marquet, né en 1875 à Bordeaux et il est mort en 1947 à Paris. Alors, c'est un peintre fauviste, c'est un mouvement qui date du début du XXe siècle et qui juxtaposait les couleurs dans leur état pur et qui simplifiait les formes. Et c'est à l'occasion du salon d'automne de 1905 qu'un critique d'art a trouvé les couleurs de ces artistes un peu audacieuses et les a traitées de fauves. Voilà. Ça, ce sont des couleurs assez crues en fait, c'est surtout pur, ça. À l'état pur, sans mélange, à l'état pur. Pour en revenir à Albert Marquet, il a beaucoup voyagé et après avoir fait de nombreux nus, il s'est intéressé au front de mer. Il a commencé par la côte atlantique. Et il a fait deux séjours au Sable d'Olonne. À cette occasion, il a laissé une trentaine d'œuvres, des huiles et des aquarelles. Il a commencé à vivre de son art confortablement à partir de 1910. Le musée de l'abbaye Sainte-Croix possède effectivement quelques œuvres d'Albert Marquet. L'été à la plage en fait partie. Et c'est cette fresque que vous pouvez admirer sur le Et donc le nom de la fresque du tableau original, c'est l'été à la plage. C'est l'été à la plage. C'est une entreprise d'aujourd'hui qui a repris ce tableau pour peindre la fresque. Tout à fait. À la demande, je crois, de la copropriété qui voulait habiller. C'est ça qui est drôle, dans l'histoire. Oui, c'était vraiment une bonne entente entre tous parce que c'est les copropriétaires qui ont bien voulu jouer le jeu et il fallait ravaler ce bâtiment. Ils se sont dit, tant qu'à ravaler, autant faire quelque chose de joli. Ils se sont portés, leur choix s'est porté sur cette œuvre. Le jour où vous irez voir la fresque sur le remblai, profitez-en pour regarder les drapeaux parce que les drapeaux de baignade ont changé un petit peu les couleurs de Dapleu. C'est Anna qui nous explique un petit peu comment cela se passe, quelles sont les nouveautés pour cet été et quelles sont les nouvelles couleurs de drapeaux pour cet été 2021. Ce qui a changé, c'est que la Ville des Sables donc, a mis en place pour 2021 la norme AFNOR sur la signalétique des baignades au niveau international. Donc, vous allez retrouver donc, des nouveaux drapeaux présents sur la plage. Les drapeaux que vous connaissiez qui étaient de forme triangulaire sont désormais de forme rectangulaire pour les drapeaux qui se situent en haut des mâts des postes de secours. Donc, vous allez toujours retrouver la couleur verte, jaune et rouge. Et les changements que vous verrez à proximité de l'océan, c'est les flammes qui correspondent aux zones d'activité de glisse qui passent désormais sous forme d'amiers noirs et blancs. Et pour les espaces de baignade, les flammes que vous connaissiez de couleur bleue passent désormais de forme rectangulaire avec un bandeau rouge sur la partie supérieure et un bandeau jaune sur la partie inférieure. Et puis pour clôturer l'émission 2 de vos vidéos insolites, vous savez, c'est une nouvelle rubrique. Vous pouvez nous envoyer vos vidéos insolites ou vos vidéos de belles choses qui se passent en ville. Nous les passerons dans le mag. Alors on va commencer avec Argan Talande. Elle habite La Chaume. Elle se présente à l'élection de les Reines des Sables. Elle nous demande de voter pour elle. Elle nous envoie la vidéo. Regardez. Bonjour, je m'appelle Argan, j'ai 18 ans et j'habite au Sable d'Olonne dans le quartier de La Chaume. Je suis lycéenne à Sainte-Marie-du-Port dans le but d'envisager des études de costume pour être une future habilleuse de spectacle. Pour moi, ce qu'il y a de plus beau au sable, c'est la côte sauvage parce qu'elle reflète bien l'authenticité et l'espace naturel.
Dans la vie, je suis passionnée d'art, et notamment d'art visuel ou de photographie, mais aussi de costumes. Et d'ailleurs, j'aimerais être plus tard costumière dans le spectacle. C'est un rêve d'enfant pour moi de devenir Reine des Sables, et j'aimerais beaucoup représenter la différence parce que depuis toujours, je me sens différente par mes choix ou mes goûts. Pour moi, cette tenue, elle évoque l'ambition. Et puis, deuxième vidéo d'aujourd'hui, c'est Tristan qui nous le voit. Il est en bateau et il nous montre un peu comment ça se passe pour lui. Une arrivée, une presque arrivée au Sable d'Olonne. Allez, on regarde. Voilà, c'était le mag du mois de mai. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à nous dire ce que vous aimez et à nous envoyer vos vidéos. On se retrouve le mois prochain. N'oubliez pas surtout de voter pour le marché des Sables d'Olonne pour la finale du plus beau marché de France. À bientôt.